Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais, c'est pas courant parce que j'en fais jamais à peu près. Et aujourd'hui, c'est pas de la photo, c'est autre chose. Je me suis récemment très 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 intéressé à la terrariophilie et l'aquariophilie. Et vu qu'actuellement je ne peux pas me permettre de prendre des animaux, j'ai vu qu'on peut aussi faire des terrariums végétales. Et je me suis dit que j'allais essayer, donc j'aurais voulu, si possible, prendre des plantes où on aurait pu savoir quelle plante c'était, connaître l'origine de la plante, essayer de faire un truc qui soit ressemblant à un écosystème. Mais vu que j'ai pas réussi à, en magasin où j'ai été acheter mes plantes à trouver ce genre d'informations, car j'y suis un peu allé à l'arrache, bah, je vais faire avec les plantes que j'ai trouvées, donc j'en ai 4 pour l'instant, j'ai 2 bocaux, donc je vais faire 2 terrariums. Et on verra ce que j'arrive à trouver après comme information sur les plantes. Alors, première étape, ça va être de rincer, de décoller toutes les étiquettes qu'il y a sur les bocaux pour les nettoyer un petit peu, donc je vais faire ça à l'eau chaude. A few moments later. Alors, pour le matériel, donc des bocaux, des gros bocaux comme ça. Celui-là, je viens de les laver, c'est tout bon. J'ai un plus petit qui a déjà un couvercle. Donc, le gros, je vais devoir lui trouver un couvercle. Par chance, j'ai des jolis ronds de bois comme ça. Et en plus, ils ont la bonne taille. Je vais les poncer un tout petit peu pour qu'ils rentrent et puis je mettrai un petit support pour qu'on puisse le tirer facilement. J'ai des billes d'argile. J'avais vu sur le net qu'il fallait utiliser soit des billes d'argile, soit de la pouzzolane, soit certains du sable ou des graviers pour faire une couche de drainage. J'ai pris du terreau pour plantes d'appartement. Et niveau plantes, j'en ai pris 4. Certainement que les grandes comme ça, je vais les séparer ou lier peut-être. Donc j'ai un petit œuf-œil gruen. Oula, s'il veut bien. Œuf-œil gruen mini. Du Cerobeghia woody. C'est ça comme plante, c'est tout joli. Ça a besoin d'un peu d'eau, ça a l'air assez grimpant, j'espère que ça tiendra dans un terrarium. Ça a l'air sympa. J'ai aussi pris du Chama. Oula, Chamaedora elegans. Et enfin, alors on met le doigt sur la marque, mais de toute façon, je ne suis pas sponsorisé vu la taille de ma chaîne YouTube. En tout cas pour l'instant, un Phytonia, parce que ça c'est la seule plante, je suis à peu près sûr que ça ira. Parce qu'il y en avait en fait dans des terrariums tout faits. Donc je me suis dit ça doit bien supporter de vivre en terrarium le Phytonia. Donc on va voir. Donc prochaine étape, ça va être de rincer les billes d'argile pour éviter d'avoir toute la poussière, on peut le voir là au travers du paquet. C'est tout sale, plein de poussière, on ne veut pas trop que cette poussière se dépose au fond des terrariums. On va aller la rincer. Comme j'ai des plantes grimpantes, je suis allé vite chercher dehors une branche. Elle est encore à moitié gelée, parce qu'il neige, justement c'est l'hiver. Et aussi deux petites branches avec des épines, on verra ce que ça donne. Bon, prochaine étape, ça, là-dedans. Tac, on va mettre la caméra. Il y en a un où j'en ai pas mis trop pour voir ce que ça donnait, et l'autre par contre j'y suis allé un peu plus franco parce que vu que j'ai la place j'y suis allé comme ça. On va voir. Maintenant
Maintenant, il faut que j'ajoute, maintenant que j'ai mis le substrat drainant, il faut que j'ajoute le terreau. Donc, je vais couper ça, je vais le vider, je vais en mettre une, je pense, ça, beaucoup plus. Un plan de celle-là, je vais séparer le plan si j'arrive, et je mettrai un plan dans chaque truc. Ah mais c'est des petits bulbes, c'est trop bien ça, des petits bulbes. Ah, il y a des petits bulbes. Donc le résultat à peu près final, il me reste juste un tout petit bricolage à faire. Je vous ai passé la préparation de cette pièce. Donc c'est juste, j'avais un rond de bois, c'est une plaquette de bois ronde que j'avais. Je l'ai juste remise à la bonne taille pour que je puisse le poser dessus. Et je vais y visser un bouchon comme ça, pour que ça puisse tenir. Je l'ai passé à l'huile de lin, juste pour éviter que l'humidité la fasse moisir ou quelque chose du genre. Et le deuxième, le voilà. C'est tout joli, c'est tout mignon. Et j'ai le petit couvercle en verre. Je vais pouvoir le boucher. Celui-là, c'est bon, il est terminé. Il y aura peut-être encore le tenir ouvert quelques temps. J'ai pas mis trop d'eau dans celui-là. Dans l'autre, j'ai mis un peu plus d'eau. Il faudra peut-être que je les aère pendant quelques temps. Ensuite, il faudra que je les mette au chaud. Et ça bricole toujours à côté de moi, donc il y a un peu de bruit. Mais c'est pas grave. Allez, je vais préparer le couvercle. J'ai la perceuse, tout. On va faire ça vite fait.